Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre patience. On avait un petit peu de Witam wszystkich. retard. Lydia Dziękuję za Maksymowicz arrive tout de suite. cierpliwość. Donc, on va commencer dans vraiment quelques minutes. Voilà, Zaczniemy à tout de suite. dosłownie za kilka minut.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cet événement exceptionnel en présence de Lydia Maximovic qui nous rejoint ce soir pour nous raconter son histoire. Alors, je vais tout de suite, comme on a beaucoup de retard, je sais qu'il y a des personnes qui suivent aussi sur le site du Mémorial et sur les réseaux sociaux de notre institution. Je vais juste laisser le temps à Lydia Maximovic de s'installer. À ses côtés, Léa Weinstein, vous vous entretiendrez avec elle ce soir. Léa Weinstein, vous êtes écrivaine et vous étiez aussi, donc là, vous êtes l'autrice de nombreux podcasts également, notamment un dernier très remarqué, qui vient juste d'être terminé sur Simone Veil. Et vous étiez aussi la commissaire de l'exposition La Voix des témoins que nous avons présentée au Mémorial de la Shoah en 2020-2021. Voilà, je vais laisser Lydia Maximovic, merci beaucoup. Prenez le temps de vous installer. C'était une très longue journée. On est extrêmement heureux. Je vais vous l'installer tout de suite de vous accueillir ce soir et je vais vous laisser, je vais m'en occuper, Léa, je vais le faire tout de suite. Ouais. Ah oui. Oui, donc Lydia Maximovic va s'exprimer en polonais. Deux interprètes vont assurer l'interprétariat simultané. C'est pour ça qu'on vous a donné des casques en arrivant. Pour écouter en français, c'est donc le canal 1. Et si vous avez le moindre souci, vous nous faites un petit signe et on viendra vous faire les réglages si nécessaire. Voilà, tout de suite, je vous laisse commencer puisqu'on a beaucoup de retard. Je vais m'assurer qu'il fonctionne pour tout. Lydia, vous m'entendez bien? Vous avez la traduction? Oui? Non, pas encore. Alors, je vais. Alors, on va régler ça avant de commencer, sinon, effectivement, elles vont avoir du mal à converser un peu spontanément. Est-ce que vous m'entendez, les interprètes? Oui. Et est-ce que vous pouvez essayer de me dire un truc juste? Non, j'ai pas. Ok, ça marche pas. Voilà, on va voir si tout fonctionne bien. Et en principe, ça devrait être le cas. Est-ce que c'est le cas? Alors, ça, c'est embêtant. C'est que ce ne sont pas les casques qui ne fonctionnent pas. C'est peut-être. Alors, je vais aller en cabine de traduction. Là, elle s'adresse à vous, ouais. Est-ce que vous pourriez dire, les interprètes, quelque chose que je vous. Non, ça ne fonctionne pas. Désolée. J'entends rien d'autre. Technique, pas à gagner. Eh oui. La barrière des langues. Je pense
qu'elles viennent ici. Pourquoi on ne fait pas venir les interprètes avec des micros? Enfin, ouais, mais là, on ne peut pas... J'entends pas non plus ce qu'il me dit. Est-ce qu'on ne peut pas faire venir les interprètes? Si vous pouvez nous rejoindre en salle. Prenez ma place et je suis embêtée. Les compétences. Désolée, hein, si vous pouvez lui dire vraiment pardon, désolée. Comment? Non, non, pas du tout, au contraire. Ça va pas marcher. Est-ce que tu m'entends là-haut? Oui, j'ai rien. Je n'entends pas. Je
Je pense que ce serait peut-être une option quand même de... Comment je vais vous entendre du coup? Ah, elle a un micro. Bon, pardon vraiment, désolée, toutes nos excuses. On est très en retard et je suis très heureuse de voir cette salle qui est en plus une salle très jeune ce soir. Je suis impressionnée de voir ça. C'est très émouvant, je trouve. Lydia, bonsoir. Je suis très émue aussi de vous écouter, de vous rencontrer, de vous écouter. Merci Pauline pour l'accueil. Alors, vous l'avez compris, Lydia est là pour la traduction en français de ce livre qui s'intitule « La petite fille qui ne savait pas haïr » et qui paraît en français ces jours-ci. On est dans des jours, justement, depuis quelques jours, de commémoration ici. Parce que le 27 janvier, c'est la date de la commémoration de la libération d'Auschwitz. Et dans ces temps de commémoration, on est beaucoup dans le symbole. Et il y a une phrase que vous écrivez, Lydia, dans votre livre, vers la fin du livre, qui m'a beaucoup marquée. Vous écrivez « Auschwitz et Birkenau ne sont pas des symboles. C'est une réalité. Et c'est une réalité dont vous êtes parmi les derniers témoins, puisque vous avez eu 3 ans à Birkenau. Et vous avez survécu. Et vous avez survécu. Parce que très peu d'enfants, comme vous le savez, en sont revenus.
ça n'est pas, on va l'entendre ce soir, ça n'est pas la seule chose incroyable dans votre vie et dans votre itinéraire, puisque c'est un itinéraire qui va traverser le siècle et qui va nous emmener jusqu'en Union soviétique, jusqu'à Moscou, avec beaucoup de rebondissements, et pas, heureusement, que des choses terribles, même s'il y en a aussi. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est cette peluche. Qu'est-ce que c'est ? Je vous accueille tous avec beaucoup de cœur. Mais je ne vais pas commencer par une histoire triste, mais je vais comparer. Et je peux effectivement, hier je visitais Disneyland, donc Walt Disney, et je peux comparer mon enfance à l'enfance des enfants que j'ai vus là-bas, qui étaient heureux, qui riaient et qui étaient bien. A jakże inne było dzieciństwo dzieci, które właśnie ja przeżywałam w Auschwitz. Et combien différente était l'enfance des enfants qui se trouvaient à Auschwitz-Birkenau, où j'étais également. Zupełnie coś innego niż to, co ja przeżyłam, o czym wkrótce wam opowiem. Alors, j'avais 3 ans quand je me suis retrouvée à Birkenau. Et ce que j'ai vu hier à Euro Disney, c'était complètement différent avec les enfants, avec leurs parents, souriants. Et ça tranchait complètement avec mon enfance. Et je vais vous les raconter ce soir. Właśnie takie szczegóły będziecie państwo mogli właśnie przeczytać, którą będziecie, być może nabędziecie, właśnie w języku francuskim wyszła niedawno i opisuje los dziecka, które znalazło się w tym piekle. Et vous allez peut-être pouvoir lire bientôt dans le livre qui va sortir, ou qui est déjà sorti, je veux choisir ta książka, il est déjà sorti. Voilà, le livre qui est sorti, vous allez pouvoir compléter tous les détails de ce que je ne pourrais pas dire ce soir, sur l'enfant qui a vécu un enfer. I teraz pokrótce jeszcze powiem o tym, jakie porównania znowu przychodzą mi do głowy, patrząc na to, co się dzieje, że dzieje się wojna za Polską. Et en continuant ces comparaisons, ces parallèles, il faut que je cite quand même ce qui se passe derrière la frontière à l'est de la Pologne, la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, parce qu'il se passe des choses terribles là-bas aussi. Kiedy widzę te tysiące przeważnie młodych matek z dziećmi na rękach, które przekraczają naszą granicę, szukając tutaj schronienia przed śmiercią. Quand je vois des milliers de mères avec leurs enfants dans les bras qui traversent notre frontière et qui cherchent l'abri chez nous, en Pologne bien évidemment, pour fuir la mort, pour fuir les choses horribles qui se passent là-bas, en Ukraine. Tuląc ich na rękach i tutaj znajdują schronienie. Et ils arrivent par le train, par les cars, en voiture. Ils tiennent leurs enfants dans les bras et ils trouvent l'accueil en Pologne et l'abri. Bo polskie społeczeństwo
właśnie otwiera ramiona, serca, portfele, a także i swoje domy. Parce que la société polonaise ouvre leur cœur, leurs bras, également leur portefeuille, et également les maisons pour ces, ceux qui fuient. Alors, vous arrivez au camp à l'âge de 3 ans, on l'a dit, donc en décembre 1943, vous arrivez à Auschwitz. Il faut peut-être préciser, parce que c'est important, que vous êtes arrêté avec vos parents, qui sont des prisonniers politiques. Vous n'êtes pas d'une famille juive. Vos parents sont ce qu'on appelle des partisans en Biélorussie, c'est-à-dire des résistants. Vous arrivez avec eux, donc vous êtes vous avec votre maman, en décembre 1943, quand la sélection se déroule. Et tutaj na selekcji. Pendant cette sélection. I właśnie muszę porównać to, jak ja przybywam właśnie do Auschwitz i Birkenau z bydlęcym wagonem. J'arrive à Auschwitz-Birkenau dans un avion pour le bétail. Dans un wagon, pardon. Stłoczeni, jesteśmy więzieni przez kilka dni. Bez jedzenia, bez picia i zachowania warunków sanitarnych. Nous avons voyagé pendant plusieurs jours sans manger, sans boire et sans aucune, aucune mesure d'hygiène sanitaire. I kiedy po kilku dniach otwierają się wrota wagonu, jest to właśnie rampa. Et quand après plusieurs jours les portes de, du wagon s'ouvrent, c'est, on voit la rampe à Auschwitz. I tutaj dopiero nasze przerażenie sięga już zenitu, bo przed nami stoi rząd SS-manów z bronią wykierowaną w naszym kierunku. Niektórzy trzymają psy na uwięzi, które szczekają, wyrywają się w naszą stronę. Et notre effroi atteint vraiment son comble quand nous voyons les SS avec les fusils braqués sur nous, avec des chiens qui aboient, qui essayent de nous sauter à la figure. Padają komendy gromko wykrzykiwane w obcym dla nas języku. Jesteśmy po prostu przerażeni. Nous sommes effrayés parce que nous entendons aussi des cris dans une langue que nous ne connaissons pas. I tu następuje selekcja. Et c'est là que la sélection a lieu. A że jest to ludność cywilna, właśnie jak tu było wcześniej powiedziane, jesteśmy więźniami politycznymi, ponieważ z konieczności byliśmy związani z partyzantami, którzy mieli swoje oddziały w pobliskim lesie naszego zamieszkania, a nasze zamieszkania zostały zupełnie spalone. Nous sommes des civils, effectivement, nous sommes des prisonniers politiques, puisque nous étions avec des partisans à côté desquels nous avons habité. Nos habitations ont été brûlées et c'est comme ça que nous sommes retrouvés avec ces partisans. I tutaj właśnie, kiedy nastała obława przez wojska okupacyjne, znaleźliśmy się najpierw w więzieniu, a potem wtłoczono nas do tego właśnie wagonu, o którym wspominałam, i wieziono przez kilka dni. Alors, d'abord, il y a eu la rafle, donc on nous a mis en prison, après nous avons attrapé, donc parmi ces partisans, et ensuite, après la prison, on nous a embarqué dans ce train, dans ce wagon dont je vous avais parlé, qui était plein à craquer. W nieznanym dla nas kierunku. I chcę zaznaczyć, że tutaj nie ginęli tylko ludność żydowska, ale także i przedstawiciele różnych narodowości, różnych religii i różnych opcji. Alors, je dois aussi souligner ici que à Auschwitz-Birkenau mouraient non seulement les Juifs, mais également les représentants des différentes nationalités, des différentes confessions, des différentes orientations. Na dodatek wielką dolegliwością jest pora roku, bo jest to grudzień 1943 roku, panuje bardzo ostra zima, temperatury sięgają poniżej 20 stopni
Celsjusza. En plus, ça s'est passé en hiver, en décembre 43. Le froid était énorme, c'était un froid sibérien, moins 20 degrés. Donc les conditions étaient effroyables aussi. I wypychani z tego wagonu podlegamy selekcji. Ludzie, którzy według uznania tych tworzących tą selekcję nie nadają się do pracy, są materiałem bezużytecznym, są kierowani w stronę dymiących kominów, które Alors, wydają straszne powietrze, nie do zniesienia. Alors, il y a partout la fumée de ces fours qui sont activés. L'odeur est absolument insupportable. Et la sélection divise les prisonniers donc, du convoi en deux parties. Donc, il y a ceux qui sont totalement inutilisables, qu'on met de côté, justement, à part, et qui vont rejoindre, justement, ces fours. I okazuje się, że ta grupa bezużytecznych uczestników tego transportu kierowana jest od razu w stronę tamtych właśnie dymiących kominów. Tam znalazła się moja babcia z dziadkiem. Więcej nigdy już ich nie zobaczyłam. Justement du côté de ce qui était entre guillemets inutilisable se trouvaient mon grand-père et ma grand-mère. Ils sont partis vers sa cheminée fumante. Je ne les ai plus jamais revus. A ja z matką, z grupą młodych kobiet, przy których są właśnie dzieci, gdzie mniej więcej w moim wieku, trafiamy na tak zwaną kwarantannę, gdzie wyrywają nas z rąk naszych matek, tatuują nam numery na rękach i zostajemy takimi właśnie więźniami, jak i dorośli. De l'autre côté, ce sont les mères avec leurs enfants, comme ma mère avec moi, donc des petits-enfants. Et on arrache les enfants en mer et on les amène effectivement à la quarantaine. Et on tatoue ces enfants et ces mères et nous devenons enfants des prisonniers politiques. I bardzo szybko wszyscy pojmują, wszyscy przybyci pojmują, że stają się tylko numerem odartym ze wszystkiego, co nazywamy człowieczeństwem. Et très vite, tout le monde comprend qu'on ne devient là qu'un numéro dépourvu de toute humanité. I tutaj nasze matki podlegają dezynfekcji. Ten prysznic, spod którego wychodzą, są po prostu do nas przyprowadzane nagie i mają ogolone włosy. Nie trudno się domyślić, jak czują się te kobiety. Et ensuite, les enfants voient leur mère qui arrive de ses douches complètement déshabillée, nue et sans cheveux, donc les cheveux rasés. Donc on peut très bien imaginer ce que ces femmes et ces enfants ressentaient. Otrzymują ubranie obozowe. Są to pasiaki, które eksponowane są w obozie macierzystym, a na nogi otrzymują drewniaki. Et elles sont habillées de habits de prisonniers rayés qu'on peut voir d'ailleurs aujourd'hui dans le musée d'exposition Auschwitz. Ils sont exposés et pour marcher, ils obtiennent des sabots. Prymitywny sposób właśnie tatuują nam na rękach numery. Od tej pory nie mamy nazwiska, pochodzenia ani żadnej tożsamości. Jesteśmy po prostu numerami. Depuis ce temps-là, nous devenons des numéros avec les numéros tatoués sur nos avant-bras. Nous n'avons plus de nom, plus de prénom, plus d'origine. I jakie to musiało być straszne, jeżeli taki mały człowiek, kiedy miałam zaledwie 3 lata, zostałam także numerem, który noszę do dzisiaj na ręce. Je porte ce numéro jusqu'à ce jour. J'avais 3 ans à l'époque, donc vous imaginez bien combien c'était effroyable pour un enfant de 3 ans. Jest to takie piętno, które nie pozwala nawet każdego dnia zapomnieć o tamtych trudnych czasach. C'est une stigmate qui ne permet pas d'oublier ces temps effroyables. I teraz następuje najtrudniejszy moment, którego się nikt nie spodziewał. Odbierają siłą dzieci matkom, które jeszcze dokąd mogą, tulą ich do swoich piersi. Ensuite arrive un moment peut-être le plus difficile, parce qu'on arrache ces enfants à leur mère, qui les serre encore pour la dernière fois dans leur bras. To jest potwornie brutalny sposób, bo te kobiety bite kijami, są wygnane
do baraków przeznaczonych dla kobiet. Ces femmes sont battues avec des bâtons pour les faire courir jusqu'aux baraques qui sont prévues pour les femmes. Donc c'est extrêmement brutal comme procédé. Tym bardziej, że ta rozpacz ich nie ma granic, bo nie wiedzą, co stanie się z ich dziećmi i czy kiedykolwiek ich jeszcze zobaczą. Et leur désespoir n'a pas de bornes, n'a pas de limites, puisqu'elles ne savent pas ce que les enfants dont elles sont séparées, ce qu'ils deviendront, si un jour elles pourront encore les revoir. Każdy dorosły więzień miał prawo żyć tylko dotąd, dopóki nadawał się do pracy, a my dzieci służyliśmy jako króliki doświadczalne. Alors chaque prisonnier adulte avait le droit de vivre tant qu'il était utile pour travailler, pour exécuter des travaux. Tandis que nous, les enfants, nous sommes devenus des cobayes. My przecież nie nadawaliśmy się do pracy, ale właśnie tutaj były dokonywane eksperymenty pseudomedyczne. Mais nous étions incapables de travailler, mais on pouvait mener des expérimentations, des expériences pseudo-médicales sur nous. Alors, c'est le Joseph Mengele, donc le pseudo-docteur, qui vous sélectionne, en fait, vous subissez une nouvelle sélection pour faire partie de ces enfants sur lesquels vont avoir lieu des expérimentations médicales atroces. Mais paradoxalement, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de revoir votre mère. Teraz instynkt dziecięcy każe nam się chować przed doktorem Mengele pod najniższą część pryczy. L'instinct de l'enfant. Nous a indiqué de nous cacher sous les couchettes pour ne pas être vu par le docteur Mengele. Ale nie zawsze się to udaje. Ja jako dziecko nie mogę powiedzieć, co się tam działo, jak to wyglądało. Zapamiętałam tylko pewne kadry, kiedy wchodzi ekipa doktora Mengele i widzę te błyszczące z wielkiego ukrycia. Widzę te błyszczące oficerskie, piękne buty i białe fartuchy. Zabierają wielu z nas do laboratoriów. Je ne sais pas exactement ce qui s'y passait. Je voyais simplement depuis ma cachette des magnifiques bottes des officiers SS et leurs vêtements et ils venaient chercher quelques-uns d'entre nous pour les amener avec eux. A doktor Mengele okazuje się jest człowiekiem, którego nazywają aniołem śmierci. Il s'avère que le docteur Mengele est un homme qu'on appelait l'ange de la mort. Ponieważ był o bardzo interesującej powierzchowności, ale pozbawiony wszelkich ludzkich uczuć. Z jego ręki każdego dnia kilku więźniów traci życie. Il avait une apparence très agréable, mais il était totalement dépourvu de sentiments humains. Chaque jour, plusieurs êtres humains perdaient la vie de sa main. Kiedy znajdujemy się w laboratoriach, które znajdują się przy krematoriach, jest nam pobierana krew do oporu. Lorsque nous nous trouvions dans le laboratoire qui était situé à côté du crématorium, on nous prélevait du sang. Testują na nas szczepionki, które zlecają niemieckie fabryki farmaceutyczne. On testait également sur nous des vaccins qui étaient produits par les usines pharmaceutiques allemandes. I zakrapiają oczy preparatem, który ma nam zmienić tęczówkę na pożądany kolor niebieski. Il nous instillait également dans les yeux une préparation qui était censée de changer la couleur de nos iris en couleur bleue. Bo zadaniem i taką obsesją doktora Mengele było wyhodowanie takiego nadzwyczajnego człowieka, który o specjalnych cechach, którymi kiedyś miała być zasiedlona cała podbita Europa.
parce que le docteur Mengele avait pour objectif d'élever une sorte de surhomme, d'un homme extraordinaire, qui ensuite était censé de peupler l'Europe tout entière. Nie wszystkie dzieci wracają do baraku, gdzie leżymy po prostu na pryczy, jak nieżywi, bo nasze ciała są przeźroczyste i jak po szczepionkach pokrywamy się ropniakami. Tous les enfants cependant ne revenaient pas de ce laboratoire pour nous rejoindre, nous autres qui étions étalés sur nos couchettes, le corps presque translucide, parfois couvert d'abcès suite au vaccin qu'on nous administrait. Część dzieci jest tam zabijana od razu nasz zastrzykiem z fenolu, a ciała i organy są preparowane. Une partie de ces enfants y était tuée directement par une piqûre de fenol et ensuite on leur prélevait des organes qui étaient préparés. Umieralność dzieci jest wprost ogromna i niewyobrażalna. La mortalité de ces enfants était tout simplement inimaginable. I ja o tym orientuję się bardzo szybko, kiedy blokowa, pomimo naszej słabości, wyprowadza nas na apel, który obowiązuje nas tak, jak i dorosłych więźniów. Je m'en rends compte très rapidement lorsque notre responsable de bloc nous sort dehors pour l'appel qui est obligatoire pour nous aussi, tout comme pour les adultes. I kiedy okazuje się, że blokowa, sprawdzając numery według listy, patrzy, że brakuje numerów. Okazuje się, że dzieci przeważnie umierały w nocy. Wyciągają te zwłoki. Lorsque cette responsable de bloc, tout en vérifiant sa liste, se rend compte qu'un numéro manque, généralement, il s'agissait d'un enfant qui était mort dans la baraque pendant la nuit et on sortait son corps dehors. Na naszych oczach rzucają na wóz, skreślając te brakujące numery i odjeżdżają w stronę krematorium, a my wracamy z powrotem do baraku, gdzie nie wolno nam nawet zejść z tej pryczy. Devant nous, on jette le corps de cet enfant sur une charrette qui est ensuite emportée vers le crématorium et nous devons retourner sur nos couches dont nous n'avons pas le droit de bouger. I zapadamy na tak zwaną chorobę sierocą. Siedząc, nie odzywamy się do siebie, bo siada nam psychika do tego stopnia, że my się nie mamy koleżeństwa ani pomocy jeden drugiemu, ani żadnej solidarności. Jest jak gdyby instynktowna walka o życie i o przetrwanie. Nous tombons tous malades de ce qu'on peut appeler une maladie des orphelins, parce que nous souffrons tellement que nous sommes incapables de la moindre solidarité, du moindre échange. Chacun reste dans son coin, parce que le degré de notre souffrance est trop important. Nous sommes incapables de tout lien social. Et il faut bien comprendre, pardon, peut-être que tout le monde se rende bien compte, que vous allez survivre dans ces conditions-là pendant exactement 2 ans, donc jusqu'à la libération du camp qui a lieu en janvier 1945. Donc de vos 3 ans jusqu'à vos 5 ans, là il y a 2 années entières qui se déroulent dans ces conditions-là, et il y a un moment où vous perdez complètement la trace de votre mère. Właśnie tak jak powiedziała moja przedmówczyni, żyję tam kilkanaście miesięcy. To jest po prostu, co jest cudem. Dzięki opatrzności Bożej na pewno, a także i wielkiemu poświęceniu mojej młodej matki, która będąc silną, młodą kobietą, jest co dzień wyprowadzana poza druty obozowe do bardzo ciężkiej pracy. Comme vous avez dit, madame, effectivement, j'y pensais passé une bonne quinzaine de mois. J'ai survécu cependant, sûrement grâce à la Providence, mais aussi grâce à ma jeune maman qui était pleine de force, mais qui était conduite quotidiennement pour effectuer des travaux physiques d'une dureté extrême. Kobiety pracują przy przekopywaniu koryta rzeki, która płynie tuż za krematoriami, ale
z rządzeniem losu. Jest tam niedaleko wieś Harmenże. Les femmes travaillent en creusant le lit de la rivière qui se trouve à proximité du crématorium, mais heureusement, pas loin de cet endroit se trouve un petit village dont le nom est Harmenże. I tam polska ludność, wiedząc o tym potwornym głodzie, jaki się tam odbywa, stara się pomóc, pozostawiając przy drodze skromne jedzenie. Jest to kawałek chleba, ziemniak lub cebula. Et là-bas, la population polonaise qui était au fait d'une famine extraordinaire qui régnait au camp, s'efforçait d'aider très modestement en déposant le long de la route un peu de nourriture, que ce soit du pain ou des pommes de terre ou autre aliment. I moja matka, narażając swoje życie, o zmroku czołga się pod ten dziecięcy barak, wywołuje mnie i karmi mnie zdobytym tym jedzeniem. I ja pochłaniam to, że nie chcą się dzielić z innymi. Et ma mère, au risque de sa vie, à la tombée de la nuit, rampe vers cet endroit où se trouve cette nourriture. Elle la prend, elle me la porte, et moi je la dévore instantanément et je n'ai aucune envie de partager cela avec les autres. I dlatego zapamiętałam tylko jej ręce, ale zupełnie nie pamiętam jej twarzy. Je ne me souviens que de ses mains, mais je n'ai aucun souvenir de son visage. Niewiele dzieci ma tyle szczęścia, bo te kobiety młode, matki, umierają masowo na straszliwą chorobę zakaźną tyfus. Peu d'enfants avaient autant de chance que moi, parce que la plupart de ces très jeunes femmes, de ces très jeunes mamans, mouraient en masse d'une maladie épouvantable qu'est le tyfus. I tak właśnie dzięki tym różnym okolicznościom, o których tylko pokrótce opowiedziałam, bo tam każdy dzień, każda godzina była cudem po prostu przeżycia. Je ne vous ai raconté qu'une infime partie de ce que j'ai vécu, mais je peux dire que chaque minute, chaque heure, chaque journée, le fait de l'avoir survécu, d'y avoir survécu, relève d'un miracle. I tak w moim życiu się właśnie ułożyło, że spotkały mnie takie okoliczności korzystne dla mnie. Po pierwsze to ta młoda mama, a po drugie, że jest mi łatwiej się przystosować do obozowego życia, bo przybyłam już z bardzo trudnych warunków. Je dois dire que j'ai eu la chance parce que j'ai eu des circonstances favorables pour moi. D'une part, une maman très jeune, et par ailleurs, j'ai pu m'adapter à la vie au camp parce que je débarquais déjà des conditions extrêmement difficiles. I mija już kilka właśnie takich trudnych miesięcy, kiedy do naszego baraku trafiają bardzo młode dziewczęta przybywające w transportach z Warszawy, gdzie wybuchło powstanie przeciwko Niemcom, ale upadło. À un moment donné, dans notre baraque, arrivaient en masse de très jeunes filles qui participaient à l'insurrection de Varsovie, qui a éclaté contre les Allemands, mais malheureusement, cette insurrection a subi un échec. I my od tych dziewcząt młodych, skautek, otrzymujemy pierwsze ludzkie uczucia. Donc ce sont ces très jeunes filles qui étaient des scouts, pour la plupart, nous ont donné pour la première fois des... Nous avons reçu des sentiments de réaction humaine de leur part pour la première fois. I tak z niewielu kadrów zapamiętanych pozostało w mojej pamięci to, że te dziewczyny uczą nas modlitw katolickich i patriotycznych piosenek warszawskich, które zapamiętałam aż do dziś. Et des rares cadres que j'ai retenus de cette époque, je me souviens que cette très jeune fille nous enseignait des prières catholiques et des chants patriotiques dont je me souviens encore maintenant. Bo w tym smutnym, właśnie dziecięcym życiu nie dostaliśmy nigdy ani zabawki, nie było spaceru, ani żadnych zajęć. Dans notre très triste vie d'enfant, nous n'avons jamais réussi le moindre jouet. Nous n'étions jamais sortis en promenade, nous ne menions aucune activité. Ale to dobro nie trwa już długo, bo to
obozu zbliża się armia wyzwoleńcza ówczesnego Związku Radzieckiego. Mais ces bonnes choses n'ont pas duré longtemps parce que s'approchait du camp l'armée victorieuse, l'armée de l'Union soviétique. I jest bardzo nerwowa atmosfera. My dzieci słyszymy także huk wysadzanych w powietrze i komór gazowych i krematoriów. L'atmosphère au camp est devenue extrêmement nerveuse. Nous autres, les enfants, nous avons entendu le bruit des chambres à gaz et d'autres installations que les Allemands étaient en train de faire exploser. Jednocześnie odbywa się ewakuacja obozu tych więźniów, którzy są jeszcze w możliwej kondycji, także wpychają do tych pędlących wagonów i całe transporty odjeżdżają do istniejących jeszcze obozów w Austrii i w Niemczech. Parallèlement, on fait l'évacuation du camp en installant les prisonniers qui étaient encore dans un état à peu près correct, en les entassant à nouveau dans les wagons à bestiaux et en les envoyant dans les camps de concentration qui existaient encore, notamment en Allemagne et en Autriche. Ale kiedy brakuje już tych wagonów, jest utworzony bardzo tragiczny fakt w ostatnich dniach istnienia obozu, a mianowicie marsz śmierci. Mais dans les tout derniers jours de l'existence du camp, lorsqu'il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de wagon, on organise une chose absolument épouvantable, à savoir la marche de la mort. Jest prowadzona duża kolumna więźniów w tych zimowych, bardzo trudnych warunkach, aż 60 kilometrów, gdzie ładowani są na otwarte już platformy i także odjeżdżają w stronę Niemiec. A zabijani są po drodze ci, którzy słabną i nie mogą iść dalej. Il y a une très longue colonne de prisonniers qui sont obligés de marcher dans ces conditions hivernales extrêmement difficiles. Ils effectuent une marche de 60 km et ensuite ils sont entassés sur des plateformes découvertes et dirigés également vers les camps en Allemagne. I mówię dlatego. Excusez-moi, ceux qui n'ont pas eu la force de marcher ont été abattus sur place. Bo tym właśnie marszem śmierci odchodzi z obozu moja matka, która w tym całym bałaganie wdziera się do dziecięcego baraku, gdzie mi powtarza, żebym zapamiętała, jak się nazywam, skąd pochodzę. Obiecuje mi, że wróci tu, zabierze mnie, ale nigdy jej się to nie udało. Et là, c'est ma mère qui doit faire partie de cette marche de la mort. Avant d'y aller, elle fait irruption dans ma baraque où elle me fait répéter à plusieurs reprises comment je m'appelle, d'où je viens. Elle me fait des promesses comme quoi elle reviendra très bientôt me chercher. Malheureusement, elle n'a jamais pu le faire. Jest to już styczeń 45 roku. Tych właśnie więźniów wiozą aż do Belsenbergen, a tu do obozu Auschwitz-Birkenau zbliża się armia ówczesnego Związku Radzieckiego i my widzimy, że wchodzą już żołnierze w zupełnie innych mundurach do naszego baraku. Nous sommes en janvier 1945. Les derniers prisonniers sont dirigés vers le camp de Bergen-Belsen et en même temps nous voyons arriver les soldats de l'Union soviétique de l'époque et nous, les enfants, nous constatons que ces soldats portent des uniformes qui sont tout à fait différents de ceux auxquels nous étions habitués. Peut-être avant d'en arriver donc maintenant à cette période qui est après la libération du camp, j'avais une question à vous poser vraiment sur ces souvenirs du camp qu'on vient d'entendre. On se demande en vous écoutant, et vous en parlez d'ailleurs très clairement dans votre livre, comment vous pouvez avoir des souvenirs aussi précis alors que vous aviez donc entre 3 et 5 ans. Et vous racontez ça dans votre livre, la manière dont vous avez reconstitué en fait à partir de flashs que vous avez gardés de cette enfance et de récits qu'on vous a racontés. Après, je pense que c'est intéressant ce soir ici que vous nous parliez aussi de la manière dont votre mémoire a pu reconstruire tout ça. Je
składa się z takich jak gdyby odcinków, które sama zapamiętałam, a o których po 17 latach rozłąki spotykam swoją naturalną matkę, która opowiada mi, że byłam nadzwyczaj zdyscyplinowanym, silnym i możliwie zdrowym dzieckiem z natury. Je dois dire que ce n'est qu'après, c'est une sorte de flash des images que je garde, mais c'est au bout de 17 ans, lorsque j'ai trouvé ma vraie maman, elle m'a dit que j'étais une enfant extrêmement disciplinée, saine, et de par ma nature. I tak się składało, że po kilku miesiącach wielkiej pracy nad ocaleniem mnie z tego właśnie po pobycie w obozie, z tego stanu zdrowia, mogę wyjść już do swoich rówieśników. We mnie ciągle jest syndrom obozowy. Organizuję zabawę w obóz, robię selekcję, ty na rewir, ty do gazu, a dorośli, patrząc na to, są po prostu przerażeni, że tak łatwo wychować jest następców morderców. Et lorsqu'au bout d'un certain temps, je recouvre un peu ma santé, je commence à jouer, j'organise au jeu, je joue à la rafle, je joue à toutes sortes de jeux qui sont déroulés dans les camps. Et en me regardant, les adultes sont absolument effarés parce qu'ils se rendent compte combien il est facile de façonner, de modeler quelqu'un comme ça pour devenir un meurtrier. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à la libération du camp, on va peut-être reprendre le fil chronologique, vous êtes recueillis, je ne sais pas comment on peut dire ça, recueillis par une dame polonaise à l'intérieur du camp. Et en fait, le camp d'Auschwitz était avant la guerre et redevient ce qu'il était avant la guerre, c'est-à-dire une ville polonaise qui s'appelle, alors attendez, j'ai un petit papier, Auschwitz, voilà. Auschwitz étant évidemment le nom que les Allemands avaient donné. Et vous allez être recueilli, adopté par cette dame, et vous allez grandir là, dans cette ville. Właśnie kiedy już byłam w takim wieku, mniej więcej jak tutaj obecną widzę młodzież, moi koledzy zaczęli mnie pytać, dlaczego ty się nie interesujesz tym, skąd pochodzisz, jakie są twoje korzenie. Lorsque j'ai atteint l'âge des jeunes que je vois ici dans cette salle, mes collègues commençaient à m'interroger, pourquoi tu ne t'intéresses pas à tes racines ni à tes origines. I tu znów zaczyna się nowy etap w moim życiu, ponieważ decyduję się napisać do biura poszukiwań, które znajduje się w Hamburgu, a Hamburg zwraca się do centralnego archiwum w Arolsen, także w Niemczech. I stamtąd przychodzi wiadomość, że więzień o takim numerze jak ja przybył z byłego Związku Radzieckiego. I dlatego Hamburg zwrócił się do biura poszukiwań w Moskwie. Donc, encouragée par mes collègues, je m'adresse à un bureau de recherche qui se trouvait à Hambourg, qui à son tour s'adresse à un autre centre d'archives situé également en Allemagne. Et à la fin, on découvre qu'un prisonnier, dit madame, portant le même numéro que moi, a été retrouvé. Et donc, ils se sont adressés à un bureau équivalent à Moscou. Et tam dowiadują się, że kobieta właśnie od wielu lat usiłuje odnaleźć swoją córkę o takim numerze. Było to wielkie wydarzenie i wielki sukces tych biur. Dlatego natychmiast powiadomili media. Et là on apprend qu'en effet, ça fait plusieurs années qu'une femme cherche à retrouver son enfant portant tel numéro. Et je dois dire que c'était un succès absolument formidable de ces bureaux de recherche. Et c'est la raison pour laquelle ils en ont fait part immédiatement aux médias. We wszystkich europejskich gazetach także ukazały się
wiadomości i moje zdjęcie. Także sprawa ta bardzo została nagłośniona, a było to właśnie coś propagandowego i politycznego. Cette affaire a fait un grand bruit dans plusieurs journaux européens. Il y avait des articles sur moi et ma photo, mais je dois dire que ça comportait une bonne part de propagande politique. Parce que donc, ils vont organiser des retrouvailles à Moscou entre vous, Lydia, et vos parents naturels. Vous vous êtes retrouvés tous à Moscou. Et là, il va y avoir en effet une question pour vous qui va se poser, qui est « Où est ma vie ? Est-ce que je la poursuis en Pologne ?» Ou est-ce que je reste en URSS? I wtedy otrzymuję właśnie bardzo korzystne propozycje pozostania w ówczesnym Związku Radzieckim. Oferują mi studia w Moskwie, mieszkanie, pokazują mi różne bardzo ciekawe miejsca, jak Krym, Kaukaz, Petersburg. Jestem po prostu namawiana do tego, żeby tam pozostać. En fait, on me propose dans l'ancienne Union soviétique. On me propose dans l'ancienne Union soviétique des conditions très avantageuses de vie, les études, l'appartement. On me montre également des lieux très intéressants comme la Crimée, le Caucase. Donc, pour m'inciter, bien sûr, à rester. Jestem przyjmowana przez najwyższe władze ówczesne. Na Kremlu, w Moskwie. Je suis même reçue à Kremlin par les dirigeants de l'époque. Ja jednak po kilku tygodniach przebywania tam i obejrzenia tego normalnego życia wśród ludzi mieszkających tam postanowiłam wrócić do Polski, ponieważ byłam już wychowana w zupełnie innych wartościach i w innych warunkach. Mais nie mogłam się tam odnaleźć. Je ne suis pas arrivée à me retrouver là-bas après quelques semaines quand même de vie en Union soviétique. Je vois que les valeurs sont toutes différentes et que ma vie est en Pologne et pas en Union soviétique parce que j'ai été élevée avec d'autres valeurs. I przez kilka lat prowadziłam normalne życie, pracowałam, założyłam rodzinę. Ale w pewnym momencie uznałam, że moje życie już nie należy całkiem do mnie. Pendant quelques années, j'avais une vie tout à fait normale. J'ai fondé une famille, j'ai travaillé, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que cette vie ne m'appartenait plus. I że właśnie trzeba mówić o tych, którym nie udało się przeżyć i trzeba o nich pamiętać. Et qu'il faut faire un travail de mémoire et qu'il faut parler de ceux qui n'ont pas réussi à survivre. I podjęłam współpracę w Krakowie w Muzeum Galicja, Żydowskim Muzeum Galicja, a także i w ośrodkach w Oświęcimiu, alors, gdzie przybywa młodzież z całego niemal świata. J'ai commencé donc à participer aux travaux du musée juif à Cracovie, qui porte le nom de Galicia, et également à Auschwitz, donc un musée où il y a également arrivent les jeunes du monde entier. I kiedy mam okazję opowiedzieć swoją historię, wszyscy na ogół bardzo ją przeżywają i usiłują jak gdyby próbować znaleźć się w tej sytuacji i jak sami porównują by się wtedy zachowali. Et en fait, quand je raconte mon histoire, ça touche beaucoup tous ceux qui l'écoutent, parce que ceux qui l'écoutent essayent de se mettre à ma place, essayent d'imaginer comment eux ils se sentiraient dans cette situation. Jest wielkie zainteresowanie tą historią i ja właśnie spotykając tą młodzież na koniec spotkania zawsze mówię, że w waszych młodych rękach jest przyszłość tego świata. Żebyście nie dopuścili do tego, żeby to, co się w Auschwitz-Birkenau wydarzyło, mogło się jeszcze powtórzyć. Et quand je rencontre tous ces jeunes, je leur dis, vous avez l'avenir entre vos mains pour ne plus que cela arrive à nouveau, tout ce qui est arrivé à Auschwitz-Birkenau. I teraz właśnie jedna z grup
która przyjechała do właśnie do Muzeum Żydowskiego Galicja, byli to Włosi. Alors, il y a un groupe d'Italiens qui est venu récemment au musée juif à Cracovie qui porte le nom de Galicia. I właśnie oni zaproponowali mu mi, żebym odwiedziła Italię. Pokazano mi wiele pięknych miejsc, wiadomo, tak jak i we Francji, tak i we Włoszech jest bardzo ciekawie. Et c'est ce groupe justement de jeunes Italiens qui m'ont incité à venir en Italie pour voir différents endroits qui sont très beaux, très intéressants, comme en France d'ailleurs. Bardzo chętnie się tam wybrałam. Spotykałam się także ze społeczeństwem włoskim, a jednocześnie jako ciekawostkę jeszcze powiem, umożliwiono mi spotkanie z papieżem Franciszkiem. Alors j'ai accepté d'aller en Italie, j'ai rencontré la société italienne et également m'a facilité la rencontre avec le pape François. I to związane jest właśnie z powstaniem tej książki, ponieważ na audiencji generalnej, kiedy papież podszedł do mnie i asystent w kilku słowach opowiedział mu pokrótce moją historię. Papież poprosił, żebym odsłoniła ten numer, który mam na ręce. D'où l'idée de ce livre, parce que pendant l'audience chez le pape, son assistant lui a raconté rapidement mon histoire, et c'est le pape qui a demandé à ce que je dévoile mon avant-bras et que je lui montre mon tatouage. I pochylił się właśnie nad moim numerem, który miałam, mam wytatuowany, i stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Że w mojej skromnej osobie, właśnie na tej audiencji, papież pochylił się i złożył pocałunek na moim numerze. Ja onemiałam, bo tego nikt nie spodziewał się, a tym bardziej ja, skromna osoba. Il est arrivé quelque chose d'incroyable. Le pape s'est penché sur mon avant-bras et il a embrassé mon numéro tatoué. Donc je ne m'attendais pas du tout à cela. C'était vraiment un choc pour moi. Moi, j'étais une humble personne qui est venue à l'audience et il est arrivé cette chose incroyable. I właśnie ten widok, dzięki internetowi, obiegł cały prawie świat. Wszyscy to zobaczyli i byli zdumieni. C'est cette image qui a été prise, qui a fait le tour de l'internet dans le monde entier et tout le monde, bien sûr, a été extrêmement interloqué. Ja także bardzo przeżyłam ten moment, ale po na myśle uznałam, że ten hołd papieża był złożony wszystkim dzieciom, które zginęły w różnych okolicznościach II wojny światowej. Moi aussi, j'étais effectivement très émue par ce qui s'est passé, mais après avoir analysé cela, je me suis dit que c'était un hommage de la part du pape à l'égard de tous les enfants qui ont disparu pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Alors sur l'enfance, juste, j'ai peut-être une dernière question avant de donner la parole à la salle. Il y a en France une rescapée des camps qui s'appelait Marceline Loridan-Evans, qui est beaucoup venue ici témoigner, et qui disait qu'on gardait toute sa vie l'âge qu'on avait à sa déportation. Qui disait qu'on gardait toute sa vie l'âge qu'on avait au moment de sa déportation. Et quand je vous vois là ce soir avec cette peluche sur les genoux, je repense à Marceline et je voudrais savoir ce que vous pensez de cette phrase. I ja właśnie uważam, tym bardziej, że mam tutaj taką prezent, który otrzymałam w Disneylandzie. C'est un cadeau de Disneyland. Jaka jest to taka pamiątka dla mnie i porównanie tego mojego dzieciństwa. Bardzo smutnego, z tą radością, którą widziałam w Disneylandzie właśnie wśród dzieci i ich rodziców, jak czczą właśnie te swoje urodziny. A ja, mając te 3 lata i mając te urodziny, trafiam na rampę w
Birkenau. Effectivement, je compare ce que j'ai vécu hier à Disneyland avec aussi ce jouet, donc cette peluche, et les enfants qui peuvent s'amuser normalement et qui peuvent fêter leurs anniversaires normalement. Et moi, quand j'avais 3 ans, mon anniversaire, c'était la rampe à Auschwitz. Et dlatego uważam, że największa to jest miłość, która jest w rodzinie, wśród ludzi, wśród znajomych, kolegów, przyjaciół. Dlatego dokąd jeżeli możemy, cieszmy się tym życiem. Mais le plus important pour moi c'est l'amour, l'amour des proches, l'amour des amis, l'amour de la famille. Et tant que nous pouvons vraiment soyons heureux d'être en vie et de profiter de cela. I dziękuję wam wszystkim bardzo za cierpliwe wysłuchanie tej mojej niełatwej w odbiorze opowieści. Et je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté, de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette histoire qui n'est pas facile à entendre. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des paroles, simplement? Oui, alors je pense qu'un micro va circuler. Il y a quelqu'un au fond. Il faut juste un micro, sinon on ne va pas vous entendre. Bonsoir, merci beaucoup pour votre témoignage. La question que je me posais, c'est pourquoi ce titre-là pour votre livre? I ten tytuł powstał z tego, że ja jako małe dziecko nie rozumiałam, gdzie jestem i dlaczego tam jestem. L'origine de ce titre vient du fait qu'en tant qu'un petit enfant, je ne comprenais pas ni où je suis, ni pourquoi je suis. I bardzo często z sali pyta pytanie, czy ja nie pragnę zemsty. Très souvent, mes auditeurs me posent la question, est-ce que vous ne désirez pas de vous venger? Że spotkało mnie tak wiele złego w moim dzieciństwie. Pour avoir subi tellement de mauvaises choses dans mon enfance. A ja wtedy odpowiadam, bo tak czuję, że moje serce, które by ciągle miało w sobie nienawiść, chęć zemsty, byłoby, no po prostu pękałoby i nie mogłabym normalnie żyć. Dlatego uważam, że nienawiść właśnie jest tym źródłem wszelkiego zła, jakie dzieje się w różnych częściach świata i o różnych porach. Je leur réponds que si je voulais vivre cette haine, mon cœur aurait éclaté, il n'aurait pas supporté ça. Je pense que la haine, c'est la source de tous les malheurs, de tout le mal qui se déroule dans le monde à des diverses époques. Ja bardziej bym cierpiała, na pewno, jeżeli bym ciągle tą nienawiść nosiła w sercu, niż ci, którzy zadali mi tyle krzywdy. Je suis sûre que j'aurais souffert davantage si j'avais gardé cette haine dans mon cœur, plus que ceux qui m'ont fait tout ce mal. Dlatego ta książka nosi taki tytuł. C'est la raison pour laquelle ce livre porte ce titre. Alors, encore une fois, déjà, merci beaucoup pour votre témoignage. Et je me demandais, est-ce que vous avez gardé contact avec d'autres survivants du camp, par exemple des enfants avec qui vous étiez? Est-ce que vous les avez revus quelques années plus tard pour reparler de ce qui s'est passé? Już przed wielu laty bardzo dużo jeszcze żyło troszkę dzieci i spotykaliśmy się na uroczystościach z okazji wyzwolenia Oświęcimia właśnie w tym czasie, 27 stycznia, ale teraz bardzo wiele dzieci już też nie żyje. Na pewno krócej żyli niż ja, bo ja miałam być może wiele szczęścia i byłam silniejsza, ale już pozostało nas tyle, co można tylko
ukazać na palcach jednej ręki. Effectivement, il y a quelques années encore, nous nous réunissions avec les autres survivants du camp, notamment lors de l'anniversaire de la libération d'Auschwitz le 27 janvier. Mais maintenant, après toutes ces années, la plupart de ces anciens enfants sont tous morts. Peut-être, moi j'avais davantage de chance parce que j'avais plus de chance dans le camp, j'avais une meilleure constitution physique. Et donc maintenant, on peut nous compter sur le doigt d'une main. Déjà, merci beaucoup pour votre témoignage. Et j'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir, votre père, quand vous l'avez revu, enfin, il faisait quoi pendant la Seconde Guerre ? Enfin, quand votre mère, elle était dans les camps, votre père, il était où ? Mój ojciec był żołnierzem, poszedł na wojnę i nigdy z tej wojny nie wrócił. Mon père était soldat. Il est parti à la guerre et n'en est jamais revenu. Jak tysiące innych. Tout comme des milliers d'autres. I teraz jeszcze na zakończenie chciałabym wam życzyć wszystkiego najlepszego. Pour terminer, je voudrais vous présenter à vous tous mes meilleurs vœux. Żebyście nie doczekali takich złych czasów, jakie się wydarzyły w czasie trwania II wojny światowej. I żebyście chociażby modlitwą wspomogli, jeżeli już nie możecie osobiście, to żeby prosić Boga o to, żeby to, co się dzieje na Ukrainie, zakończyło się już jak najszybciej. Je vous souhaite de ne jamais connaître des temps aussi épouvantables que les temps de la Seconde Guerre mondiale. Et si vous ne pouvez pas faire autrement, pas aider matériellement, je vous demande d'aider, ne serait-ce que par votre prière, pour faire en sorte que la paix revienne en Ukraine et que cette guerre là-bas se termine au plus vite. Merci beaucoup. Oui, si vous voulez lire l'ouvrage de Lydia Maximovitch, il va être ici, en vente, juste là maintenant, là sur la scène. Et si vous voulez, peut-être, si Lydia est d'accord, de signer éventuellement. En tout cas, vous verrez dans le livre, il y a beaucoup de choses qu'on a abordées qui sont développées bien plus en détail. Merci beaucoup.